ensemble un tagine au poisson. Donc c'est un tagine avec des boulettes de merlan. Donc on aura besoin bien sûr de l'équivalent de 3 merlans, du persil, de la coriandre, du gingembre et de l'ail et une gousse d'ail que j'ai hachée avec ma machine. J'ai pris la moitié, j'ai mis ici et l'autre ici. L'autre dans la sauce tomate. Avec quoi j'ai mis du paprika et du poivre. Voilà, des épices. Ensuite, on aura besoin du knorr de poisson. Le paprika. La sauce tomate, donc j'ai mise dans mon bol. Et j'ai pris de la chapelure que j'ai mis avec le merlan. Avec les merlans. Et j'ai aussi mis du paprika, comme vous pouvez le voir. Donc, dans le tagine. Le tagine, j'ai mis l'équivalent d'un oignon, des fruits de mer et du poivron vert, du poivron rouge et du poivron jaune. Voilà, donc j'ai mis à revenir dans une avec de l'huile d'olive dans un tagine, donc dans mon beau tagine. J'ai mis un petit peu de l'huile d'olive. J'ai rajouté, hop, un filet d'huile d'olive. Et donc, je vais mélanger. Aujourd'hui, je gêne, donc c'est le jour on. J'ai beaucoup envie de goûter, mais je ne peux pas, malheureusement. Voilà, donc on se revoit dès que c'est assez remonté. Voilà, dès que les oignons ils sont assez remontés, on se revoit. Ciao! Après que le tout soit revenu, là, ils ont absorbé l'eau des oignons. Voilà, donc les poivrons et les fruits de mer ont absorbé l'eau des oignons. Voilà, ça donne ça. Là, on va prendre la sauce tomate et on va mélanger. Donc, je répète, il y a du poivre, du paprika et de la coriandre, du persil, de l'ail, l'équivalent d'une gousse d'ail hachée, et comme ça, à peu près comme ça, de gingembre. Donc voilà, là on va mélanger. Hop. Voilà, donc on va mettre sur notre tagine. Je vais juste enlever la cuillère. Et voilà. Oups. Voilà, donc on met bien partout. Ça sent bon tout ça. Voilà, hop, c'est bon. On va mettre le couvercle. Voilà, donc c'est bon. Là, on va rajouter juste un petit peu mélanger. Waouh, ça sent bon. Ça sent bon. Ça me donne déjà l'eau à la bouche. Donc voilà, là on va rajouter un petit peu de l'eau. Un tout petit peu. Voilà, donc je rajoute de l'eau. Ça suffit. Là on va mélanger. D'accord. Voilà, donc ça suffit.
On va rajouter les épices. Non, c'est tombé. Voilà, donc le knorr. Je vais en mettre juste un seul. Voilà. Les épices, c'est-à-dire le gingembre. Le gingembre, qu'est-ce que j'ai rajouté ? Le poivre et le cumin. Voilà. On mélange encore. On mélange mince. J'en ai mis un petit peu sur le côté. Voilà, je vais rajouter un tout petit peu de l'eau. Tout petit peu, tout petit peu. Vraiment. La goutte de la goutte. Ça suffit. Vraiment, c'est un petit peu là. Et on mélange. Voilà, donc on le laisse. Voilà, donc on va déposer les boulettes de merlan. Voilà. De 1. Voilà, on va faire des grands cercles, des petits cercles, voilà, au fur et à mesure. Voilà. Mince. Elle a sauté, elle a dit non, pas moi. Voilà, moi j'aime beaucoup le merlan. C'est très très bon. À faire des petits cercles. Un cercle. Je pense que ce sera le deuxième cercle. Le dernier cercle. Voilà. Voilà, donc là c'est bon. Je vais rajouter quelques-unes. Une seule, c'est bon. Voilà, et là, on remet le couvercle et on laisse. Oui, on baisse le feu un petit peu. Voilà, et on laisse. On se revoit dès que c'est prêt. Ciao! Voilà, donc, montage, il est prêt. Les boudettes, elles sont cuites. Là, on va l'accompagner avec des spaghettis. Voilà, donc je sais pas si c'est assez salé. Voilà, je répète, aujourd'hui je jeûne, donc je vais juste baisser un petit peu le feu. Voilà. Là, je vais accompagner avec des spaghettis. Voilà, donc je vais mettre du sel. Voilà, donc ça suffit. Juste pour dire, j'ai mis de l'huile d'olive, un petit peu d'huile d'olive. Là, je vais rajouter les spaghettis. Hop. Voilà, c'est rapide. Les spaghettis, c'est rapide. Et en plus, c'est bon. Moi, j'aime beaucoup les spaghettis. Quand on vise l'impossible. Je pense que ça suffit. Attends, je fais un petit peu. Je suis gourmande. Bah dis donc. Le gros ça saute autant. Ça saute comme des sauterelles. Voilà. Et bah là, je vais utiliser vite fait. Voilà. Et on va laisser pendant 5 minutes. C'est rapide. Et c'est délicieux. Voilà, donc on se revoit. Mes pâtes sont en train de cuire. Donc on se revoit tout à l'heure pour la présentation. Là, ça a l'air vraiment très appétissant.
Voilà. Donc, comme je viens de le dire, on se revoit pour la présentation. J'ai hâte d'ailleurs, qu'est-ce que j'ai mangé. Ciao! Que mon tagine, il est prêt. Voilà, je me suis servi. Pareil pour les spaghettis. Voilà, donc ça a l'air très appétissant. Là, j'ai mon pain. Moi, j'aime beaucoup les spaghettis, je peux dire. J'ai mon pain aux figues, aux raisins et aux figues, aux raisins, aux fruits secs. Il est tombé. Voilà, donc c'était juste un essai. J'ai pas encore... C'était vraiment juste pour essayer, mais après, la prochaine fois, je vais le faire avec vous. Je le ferai avec vous, je vous le ferai découvrir. Franchement, il a l'air pas mal. Voilà, donc là, j'attends pour me régaler, sûrement. Et je vous souhaite un bon appétit. Et j'espère que vous, ça sera très très bon, Inch'Allah. Ouf. Psaftorkom.